Eh bien, c'est l'histoire de trois aventuriers. Ils aiment aller dans des lieux secrets, comme une forêt à cinq arbres. Dans le dernier épisode, une de ces trois personnes a été disparue. Aujourd'hui, ils retournent pour essayer de le retrouver. Le lieu d'Annie et Luca vont-ils retrouver Noah? Cela est la question de cet épisode. C'est quelqu'un? C'est quelqu'un ou pas? Oui, ah voilà. T'as trouvé? Oui, c'est ça, non? Mais c'est pas ça, frère. Et tout ça, c'est pour okay. Magor. Il fout des champs. Putain de merde. Mais gros, les gars, là, je vais me chier. Regardez. Je crache sur ta caméra, je te jure. Hey guys, tout le monde. Donc, si tu connais pas cette vidéo, c'est du type humoristique. Et en fait, il se passe des trucs vraiment de la merde. Hein. C'est pour ça que c'est une vidéo humoristique. Si dans cette vidéo, à un moment donné, on court, on a vraiment peur, on n'a pas peur. C'est juste qu'on se met comme si on était dans un film. Du coup, dites pas fake, etc. C'est du fake, hein, cette vidéo. C'est du fake, c'est juste une parodie des gens qui font tout ce genre de vidéos prank. La cachette. Fais gaffe, il y a des esprits ici. Okay. Alors du coup, ce qu'on va faire, on va aller acheter à manger en premier. Là, je suis désolé si vous m'entendez pas bien, j'ai pas de micro et j'utilise ma petite caméra. Ensuite, on ira, après ça, on ira dans la forêt interdite, le retour, voir qu'est-ce qui se passe, ok? J'ai envie, regarde. Tu fais toi? Non, fais toi. Non, j'ai pas envie d'y aller. Je vais être mouillé au cul. Et Claudio, c'est qui ton meilleur ami, Pépon ou Voyou? Et Claudio, s'il y avait... Voyou, Pépon. Voyou, Pépon. Non, si, j'ai nommé Pépon. Regardez les gars, il fait chaud, non? Mais regardez-le! Regardez-le, regardez-le, regardez-le! Oh putain! Exceptionnel! Cette gueule est exceptionnelle! Eh, là, je vais me faire plaisir, les gars. Je prends du choco encore, attends. Il va prendre des biscuits, Sam. Tu vas prendre pas quoi, manger, frère? Ça. Il fait exprès, ça se voit. Non, mais ça, c'est trop bon. Ça. J'en ai à la maison, ça, c'est vrai, ça, je te mens pas. Ça, j'en ai. Mais j'en prends un peu chez moi? Ce soir, on va être bien regarder. On va bien regarder un bon film, sa grand-mère. On va regarder Harry Potter. Viens, on en regarde deux. Est-ce qu'on est des beaux comme ça? On est des... Attends, éteins la lumière, Claudine. Toi, tu vois que tu cherches la merde, toi. Toi, pourquoi t'éteins tout ça pour laser? Elle a plus de pile. Cher. On a pris lampe torche en mode urbex et tout parce qu'on va aller dans la forêt interdite, une forêt. On a été l'année dernière. Mais non, Dani, il y a déjà un éclairage humain. C'est un relève. Oh les gars, j'ai pas chien. Attends, viens, on va voir. Ils approchent. Vas-y, viens, on se barre. Vas-y, regarde-les. Il est où, Claudio? On a perdu Claudio de vue. Dans la forêt interdite, il y a des gens qui fument. Ils avaient des chiens. Et juste ici, la forêt interdite. Oh là là. Il y a les chiens, on s'en bat les couilles. Ah ouais, ils sont vraiment dans la forêt. Non. Une verre carte. Oh les gars, venez m'aider. Il y a quoi? Lucas, reste ici. Le bonnet, il est tombé. Le truc là. Moi, Dani, je descends pas. Lucas, reste là. Ta Luca. Gueule. Lucas, reste ici. Comme je ça. Reste là, Dani, moi, je viens pas ici, il y a les chiens. Moi. C'est où? C'est où? Filme-moi. Filme-moi. Vite. Trouvé. Attends. Deux secondes. On va passer par les chiens. Vas-y, Ange. On te rejoint, reste là. Oui. Suis-moi, attends deux secondes. Y'a des morts, sale con. T'inquiète, on fait le contour. Fais le contour, cours. Monte, t'es en premier. Tiens. Monte, ouais, vas-y. Regardez ça bas. Oh putain, j'ai... Ah, c'est froid. On était dans cette forêt, en fait, c'est une sorte de forêt. Il y avait des chiens cette fois. Et en fait, tu veux voir ma bite? Mon bonnet, enfin le bonnet, il est tombé dans la forêt. Enfin, dans la forêt, parce qu'il y a un pont qui surpasse, on a dû descendre. La grosse caméra pour essayer de tenter de faire un truc. Ah ok, tu peux couper la vidéo. On va rentrer parce que vraiment il pleut de ouf. Lui c'est quoi? Lui se cogne contre des buissons. La base, la forêt, elle est juste à côté ici, mais il pleut tellement qu'on risque de tout casser le matériel. C'est une vidéo de merde, mais on va peut-être la publier parce qu'on s'en bat les couilles parce qu'on s'est amusé, c'était drôle. Lucas, la tradition c'est que si tu veux ici, on a eu un truc bizarre dans cette porte, tu vois. En fait, mais dans cette porte, t'as déjà vu? On l'a tous fait le point. On l'a tous fait. En vidéo en plus. Je vais avec toi si tu veux, je m'approche. Là. La porte qui est à moitié ouverte. Oh non, il y a une caméra de surveillance. Je pense que vous vous imaginez qu'après cette histoire vraiment vraie, Dani et Claudio ont été en prison, ils ont été amenés arrêtés par la police. Et Luca a réussi à s'enfuir en lançant des cris d'oiseaux pour effrayer la police. Tout d'un coup, on entendit quelqu'un s'approcher de la cellule de Dani. Je pense bien qu'il va le sauver. Mais qui est cette personne? Or ça, c'est dans le prochain épisode, Ray.